Bonjour à tous, c'est Maxime là, et c'est avec ces petites notes de piano assez tristes que l'on se retrouve pour la suite de la série de Silent Hill 2. Précédemment, nous avions assisté à la mort de Maria. Ouais, elle était morte, tuée par Pyramid Head. Ah, décidément, on va lui en vouloir, lui. Enfin, d'un côté, elle me faisait chier Maria, donc oui, c'est comme Laura. Ah, le seul qui m'a pas encore trop fait chier, c'est Eddie, mais bon, vu qu'il a une glande de rien. Et Angela aussi, mais vu qu'elle est suicidaire... Donc là, on est où? Bonne question. Donc là, c'est la seule fois où on va emprunter ce putain d'ascenseur là, dans le 2. Dans le 3, comme je vous l'avais dit, on va beaucoup plus l'emprunter celui-là. Ah oui, je vous rassure. Dans le 3, on le visite, on emprunte plus cet endroit là. Enfin, bon. C'est assez triste quand même. Donc là, on est enfin de retour au rez-de-chaussée. On va peut-être enfin pouvoir se casser cet hôpital là. Ça commence à me foutre les boules avec les cris de cochon et tout. Par hasard, il s'est cassé, j'appuie, mais l'ascenseur ne fond pas. Bon ben. Allez, on va fouiller cette version alternée là, du rez-de-chaussée. Et puis on va se casser. Eh vas-y. Il y a toutes les portes qui sont verrouillées, je te le parie 200. Hein. Ah, la porte du directeur est tout. C'est ouvert ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qui n'a pas le courage de s'exposer au regard de l'abîme n'a pas non plus le courage d'y jeter le regard. La vérité en marchant. Suivez la carte, il y a une lettre et une clé de serrage. Donc là, on voit une... voilà. Letter Wench. Donc là, il y a une petite zone qui s'est affichée sur notre carte. Même plusieurs petites zones. Voilà. Et on va toutes les visiter, hein, je vous le dis. Je les ai collés. Et j'ai la clé du hall de l'hôpital, oui, parce que la porte était fermée, je vous le dis. Hein. Oui, même si c'est par là qu'on est rentré à la base, mais bon, elle est verrouillée, c'est normal. Donc là, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, et on vient de voir Laura passer. Donc on va la poursuivre, cette gamine. Un vieux livre relatant l'histoire de Silent Hill. Ouais, non, c'est parce que je voulais le lieu là. Donc là, bah maintenant, on va aller fouiller les zones qu'on a vues là. Des livres sur la médecine, de la ville, de la région sont alignés ici. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Hein. J'adore cette petite musique là. Ça donne un côté wesh. Ouais, ça donne un côté wesh au jeu. Eh oui. Par contre, là, donc vous avez compris, on va sortir. Sauf qu'on va sortir dans la version alternée de la ville. Hein. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah waouh. Bah waouh. Bah waouh, quoi. Donc là, je fouille quand même les salles, on n'est jamais sûr. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que le truc du directeur qui est ouvert. Attends, on parie combien qu'avec le truc du directeur qui est ouvert? On teste les dernières salles. Par contre, c'est un peu chiant parce que je voudrais avoir un petit point de sauvegarde. Hein. Par contre,
Donc là, on va ressortir. Ah, bah voilà. Ouf, c'est bon, le point de sauvegarde, il est là. Là où on avait récupéré la carte la première fois. Donc voilà. Et donc là, on va quitter. Bon, par contre, normalement... Oui, la zone extérieure, elle est identique, enfin, au monde normal. C'est-à-dire, il y a les mêmes points de sauvegarde, les mêmes trucs aux mêmes endroits. Sauf qu'il n'y aura peut-être pas les mêmes ennemis et que l'ambiance est quand même différente. Maria est mort, je n'ai pas pu la protéger. Une fois de plus, je dois admettre mon impuissance. Mais t'es une grosse tapette, James. Laura s'est enfuie quelque part. Marie. Qu'est-ce que dois-je faire? Est-ce bien vrai? M'attends-tu vraiment quelque part? Est-ce ta façon de prendre ce que tu dois prendre? Je vais trouver Marie, c'est mon dernier espoir. Ouais, vas-y. Bon. Et attends, je crois qu'à ce moment-là... Non. Toujours pas, putain. Cette lettre me fait chier. Oui, parce qu'il y a un moment où ça va modifier, mais là, je croyais que c'était à ce moment-là. Oui, j'ai une ampoule, vous avez remarqué. L'ampoule, ça nous permet de nous régénérer entièrement notre santé. Ah oui, il y a les boissons qui nous donnent un petit peu de santé. La trousse qui nous donne moyen de santé. Et l'autre truc, donc, qui nous donne beaucoup de santé. Donc là, il fait nuit, vu qu'on est dans la version un peu alternée de l'endroit. Hein. Voilà. Donc c'est assez sympathique l'ambiance. Donc là, je vous le dis, on va partir par là-bas. Oui, on pourra retourner au bowling pour voir si Eddie est toujours en train de bouffer sa pizza. C'est pas parce qu'il fait nuit qu'il est toujours pas là. Donc maintenant... Oh putain, il y en a trois là, et c'est juste. Donc là, comme vous l'avez remarqué, maintenant, il y a même des infirmières dans les rues. Hein. Donc là, je vais fouiller là-bas pour voir ce... Oh, il y a des petits trucs intéressants. Ah, ça me manquait la ville, hein, parce que ça faisait un moment qu'on était à cet hôpital de merde. Qu'est-ce que tu regardes? Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Des balles de pistolet, bravo James. Et une ampoule. Eh ben niveau santé, j'ai pas l'impression que j'en manque. C'est un vasé, il y a des infirmières de partout. Faut pas qu'elles me chopent. Et là on va rencontrer un nouvel ennemi, je vous le dis déjà. On va rencontrer un nouvel ennemi. Mais un ennemi... Oui, assez rare. C'est pas un boss, mais c'est quand même un ennemi assez rare. Ça me mène jusqu'à où? Randall Street. Eh, vas-y. Donc là, on peut enfin fouiller cette partie de la ville, hein, Randall Street. Donc là, il y a un parking. Je me rappelle pas s'il y a quelque chose au parking. J'ai l'impression qu'il y ait quelque chose, mais bon, toujours s'assurer, hein. Faut toujours fouiller. Non, bah non, il y avait que dalle, en fait. Putain, mais arrête de frapper dans le vide, du con. Oui, elle me cassait les couilles, donc je l'ai buté. Hein. Ouais, elle me cassait les burnes. Et elle me casse les burnes, comme une petite girouette. Ouais, il y en a pas mal. J'ai même l'impression que c'est le seul bestiole qu'on va affronter dans le coin, les infirmières maintenant. Les mannequins, ils me manquent. Et les living figures aussi. Oh, les living, ça fait un moment qu'on a plus vu. Mais on en reverra, je vous ai dit. Mannequin pareil. Hein. Allez, on reverra jusqu'à la fin. Hein. Bon, là-bas ça a l'air d'être verrouillé, mais autant vérifier, hein. Ça coûte rien. Et il pourrait y avoir des items, hein, voilà. Bon, bah, on va aller au sud, hein. Non, mais franchement, il y en a combien? J'en croise tous les 3 mètres. Hein, franchement. C'est pire que des Roms là, hein. On va voir.
vraiment partout là. C'est quoi ce bordel? Bon là ça a l'air d'être un peu pété dans le coin. Donc là c'est aussi bloqué. Donc on pourra pas visiter plus au sud. Je vous dis, on visitera pas plus au sud. Donc à Silent Hill, pour l'instant. Mais il doit y avoir une partie hein, de Silent Hill au sud là. Hein. Donc voilà. Ah, du son. Wesh. Par contre, vu qu'il fait nuit, on voit que dalle. Hein. Là, même avec la lampe torche, j'ai du mal à voir. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Donc là, voilà quoi. Donc là, on peut voir encore un petit barrage, sauf que cette fois-ci, on peut rentrer là. Enfin, non, c'est plutôt un tunnel là, hein, je dirais. Un tunnel avec une grille jusqu'au bout. Question, elle est où la porte? Ah, putain, elle est... Et là, on rencontre notre nouveau type d'ennemi. Vous allez voir. On les rencontre à ce moment-là, normalement, mais bon. Allez, vas-y, ils sont où? Oui, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a du grillage, hein. Ah bah, justement, nos ennemis ont une particularité. Allez, faites qu'on les croise. Dis pas qu'ils sont pas en mode très facile. Non, c'est bon. Donc là, ils arrivent. Voilà. Bon, on va avoir du... Je sais pas si on arrivera bien à les voir. Oh, attention. Voilà. Attends. Oh, on l'a pas très bien vu, c'est dommage. Attends. Attends, est-ce qu'on va réussir à bien le voir là? Oui. Parce que voilà, on a pu le voir brièvement là. Parce qu'en fait, nos nouveaux types d'ennemis là, ils ont une particularité comme vous pouvez le voir. Ah putain, il m'a blessé ce con. Ah vite, je me casse. Maintenant c'est déverrouillé, merci. Oui, donc ceux-là, ce sont les mandarins. Comme les chinois, oui. Et ceux-là, comme vous avez vu, leur particularité, c'est qu'ils sont sous le grillage. Mais malgré qu'ils soient sous le grillage, ils peuvent encore te faire très mal et t'attaquer, donc ça. Donc faut se méfier des ennemis sous le grillage, sous le grillage. J'utilise un peu de soin. Bon, c'est à part ça. Ouais, il y a toujours le camping-car. D'ailleurs, je vais aller sauvegarder brièvement. Et j'y retournerai si jamais j'ai besoin de sauvegarder encore. Donc là, comme je vous ai dit, tous les items sont à peu près à la place. Enfin, à peu près, oui. Après tous, hein. Bon, il y a des nouveaux items, évidemment. Il y a ceux qu'on va devoir chercher. Ils n'étaient pas là à la base, hein. Cherchez pas, hein. On n'aurait pas pu les récupérer dès le début du jeu, hein, les deux trucs là qu'il va falloir récupérer pour aller au Silent Hill Historical. Hein? Hein? Mais comme j'ai dit, il y a aussi quelques nouveaux items. Hein. Par exemple, là, on voit qu'il y a une trousse de soins. Elle était pas là la dernière fois, sinon je l'aurais vu. Hein. Il me manque les 8 figures. Bon, on va ça. Et on va aussi se rendre au bar, au Nelly's Bar. Vous verrez pourquoi. Donc là, on rencontre les mannequins et comme je vous l'ai dit, ils bougent pas. Comme je vous l'ai redit sans cesse, ils bougent pas tant que tu les pointes pas avec la lampe torche. Donc voilà, on en revoit des mannequins là. Alors, on va retourner au Nelly's Bar parce que il y a un petit message qui nous attend. Bonjour toi. Des balles de pistolet, merci, c'est gentil. Attends, que je me repère avec la perspective. Voilà, c'est là l'entrée. Oui, ils font des bruits bizarres. Hein. Ouais, faut les laisser. Hein.
Donc là, vous vous rappelez, il y avait ce message, hein. Il y a un trou ici, il n'y est plus. Et maintenant, il y a ça. C'était pas là à la base, hein. Si tu veux vraiment voir Marie, laisse-toi mourir. Mais tu ne peux pas être sûr d'aller où elle est partie, James. Merci, sympa, hein. C'est à qui a écrit ça? Et maintenant, je voudrais bien retester un petit truc. Oui, je vais le retester souvent, donc vous verrez. Ah bah ça a pas l'air d'où là. Elle est gentille hein Marie. Hein. En tout cas, ce genre de message ça a l'air gentil hein, ce genre de message. C'est gentil, c'est gentil. Je suis barge. Bon, bah maintenant on va aller récupérer les clés. Je l'ai vu, il y avait un mannequin, oui. Je vais essayer de ne pas l'éclairer avec la lampe torche. Putain. Il y en avait un deuxième. Fallait qu'il y en ait un deuxième. Ouais. Ouais, il y a des mannequins, des infirmières, mais il n'y a plus de living figure, c'est dommage. J'étais gentil à bouger dans tous les sens et à ramper en faisant des cris. Il n'y a que moi qui trouve ça, mais bon. Hein. Bon. Alors, la clé. Donc la clé est dans le coin, là. Et donc là, voilà, donc il va falloir chercher la putain de clé, là. Donc voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, à la base, il n'y avait rien ici. Hein. Donc là, on va récupérer quand James le voudra, parce que là, ça fait longtemps. Voilà. Donc j'ai la clé de serrage, et il y a aussi un mémo, là. Enfin, ou une carte. Bon, je sais pas ce que c'est. Ou peut-être n'êtes-vous qu'un idiot, la vérité échappe souvent aux mortels. L'ancienne société constitue une partie de l'abîme. La clé de la société est dans le parc, au pied de la femme pieuse. À l'intérieur des terres, dans un coffret, j'aurais besoin d'une clé de serrage pour l'ouvrir. Mon patient l'a enterré là. Je le savais, mais je n'ai rien fait. La proximité de cette chose me rendait mal à l'aise. Je cherchais pas la vérité, mais l'inquiétude. La chose, je l'ai vue, moi aussi. Je me suis enfui, mais le musée était verrouillé aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'ose plus s'en approcher. Si tu décides de continuer, James, je prierai le Seigneur pour le salut de ton âme. D'accord? Hein, mais... Oui. C'est... Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui, hein? Ah là, je me pose la question, hein. Vous êtes qui, mon monsieur? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, la clé de serrage vient de l'extrémité ouest de l'Insei, outil de serrage. Voilà. Donc, on a la clé de serrage. Là, t'as un tire-poteur. Donc cette clé va nous dire tout. Oui, je vais aller à la porte verrouillée. Normalement, je l'avais déverrouillée, si j'ai pas fait le con. Et donc avec cette clé, ben, comme le dit le monsieur, on va aller déterrer ben, ce qui est caché derrière la prieuse. Hein. L'objet caché derrière la prieuse. Qui était mentionné aussi dans un autre mémo, vous vous rappelez. Et ensuite, ben, on ira au historical société hein, de Silent Hill. Voilà. Tant que j'éclaire pas les marchands, non. les living figures, c'est tranquille. Vous voyez, tranquille. Bon, alors, vas-y, c'est quand j'atteins cette putain de... Ouais, c'est un peu long le chemin, oui, mais bon. Heureusement qu'il y a les ennemis pour nous féliciter. Oh bonjour, la porte des ténèbres s'ouvre sur un cauchemar. Tada! Ah, je crois qu'il a été vraiment verrouillé de tous les côtés, si je m'en rappelle bien. Ouais. Ah, et justement, ce qu'ils disent à côté, la porte des ténèbres s'ouvre sur un cauchemar, ben... Où est-ce qu'on est, là? Oui, sur un cauchemar. C'est pour ça qu'elle s'est ouverte.
Ah oui, j'adore hein, leur logique. Hein. Bon, voilà, je vais essayer de récupérer la clé. Puis après, j'irai sauvegarder au Jackson. Mais je sais pas si je vous le montrerai en vidéo hein, que je vais sauvegarder. Hein. Ah putain! Bon. Bon, alors attends, la carte. Ou au pire, je sauvegarde là et on ira la prochaine fois. Ouais, vas-y, on y va, on ira la prochaine fois. Parce que... Ouais, on ira au historical, machin, mais il est chouette la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu en ce 3. Ben. Pas dans la prochaine vidéo, vu que là je vais continuer James Bond. Voilà. Essayer de terminer aussi. Bon, on se retrouvera en tout cas une prochaine fois pour la suite de cette soliste, mais comme je l'ai dit, ce sera pas pour tout de suite. Allez, bye les gens.